Alors, où est-ce qu'on est? Dans une maison. Tout va bien. Il y a un chien. Il ronfle. Comment on l'appelle, les Crozes? Il faut donner un nom à ce chien. Donc c'est censé être une maison hantée, hein. Pour l'instant, à part le ronflement du chien, je n'entends rien de suspect. Ronflex? Oh, Toby? Ah, Ronflex, ouais, ça lui va bien, en vrai. Ok. Bon! Ah, c'est vrai que c'est beau, hein. Putain, la balle. Oh, il y a une tempête, j'avais pas vu dehors, regardez! C'est le nord. Mais c'est comme ça, hein, chez moi, je vous jure, hein. Dans le nord, c'est ça. Cet été, c'est ça. Putain, il y a une tempête de ouf. Et on peut y aller dehors? On peut pas aller dehors? Ah, attendez, il faut que je mette le son à fond parce qu'à mon avis, il va y avoir des bruits inquiétants. Je sais pas du tout ce que je dois faire dans le jeu, on n'a pas d'objectif. On a une lampe torche. Bah écoutez, on va visiter, let's go! Alors, on a le salon qui est là. La cuisine qui se trouve là-bas, ok. On a du courant pour l'instant. Salle de bain. C'est fluide les crosses, vous me dites, hein. Ok, on a du PQ, tout se passe bien. Si jamais on se chie dessus, on a de quoi. Oh, putain, l'ambiance sonore, je sais pas si vous entendez bien, le son est à fond, je crois. On entend le vent en dehors et tout. Magnifique, hein? Allez, on va aller à l'étage. J'entends un bip bip bip. Oh putain! Il y a eu un truc à la fenêtre là? Merde, j'ai pas bien vu! C'était quoi? Pourquoi il y a un masque là? On dirait le masque de... Comment il s'appelle le serial killer là? C'est pas Jason? Je sais plus. Il y a eu un truc à la fenêtre, je crois. Il y a un truc qui bip. Bip. Ah, c'est le PC qui bip. Attendez. No fucking way. If I have to chase down a password for another 2 hours again, I'm out. Connexion, mot de passe, se connecter. Ah, j'ai pas. Vous avez oublié votre mot de passe, oui. Kelly, si tu oublies le mot de passe de ton ordinateur pour la 100e fois, j'ai éparpillé tes figurines dans la maison. J'ai étiqueté les boîtes avec ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Le premier est le Chicken Sea, puis le Koski, suivi du Rabbitski. L'avant-dernier pour le login est le Chowski, et le dernier le Katski. Le mot de passe comment... Oh putain, oh là là. Faut noter. Ah, j'ai pas de notes. Oh non, faut noter là. C'est bon, ok. Donc faut trouver des figurines dans la maison qui vont nous donner sûrement des lettres ou des chiffres. Ah, j'ai jeté ma souris à l'autre bout de mon bureau. C'était quoi ça? Ah la vache. Bon. Alors est-ce que c'est ça? Ah c'est peut-être ça, attendez, Katski. Oh c'est ça. Ok les Crozes, je vais avoir besoin de vous dans le chat, s'il vous plaît. Notez les lettres et les chiffres de chaque boîte de jouets, s'il vous plaît. Ça va grandement m'aider. Donc le Katski, c'est le 3. Je vais le noter aussi en vrai parce que sinon... le Katski... Voilà, Katski c'est 3 les Crozes. Katski c'est 3, ok? On va essayer de les trouver. Ok, une. Oh putain, elle m'a fait flipper l'autre conne. «
Putain, ça m'a fait peur là le. C'est quoi? C'est une femme? Elle va revenir, non? Faites gaffe. Ah, il y en a une là. Elle va revenir, c'est sûr. Oh là là, il y a un orage maintenant. Shark Ski, le 6. Shark Ski 6, les roses. Ok, c'est bon, j'ai noté. Shark Ski 6. Comme ça, si je me trompe, vous êtes là, quoi. Là. Chicken Ski 8. Chicken Ski 8. Ok. Oh putain, la lampe, la lumière. La lumière, elle s'est coupée. Qui a éteint? Y a quelqu'un qui a éteint la lumière. Là, là, là. Oh yes. Cool ski 1. Cool ski 1. Cool ski. Le 1. Ok. Ça m'a pas l'air très rassurant cette baraque. Si vous voulez mon avis. Ultrasound of a child. Échographie d'un enfant. Probably the client's fiancée. La fiancée du client. But why is it written here? How long do I have to wait? Oh là là, elle est pas loin, je l'entends pleurer. Ok, il y en a une là. Rabitsky, les crosses. Rabitsky 2. Rabitsky 2. Rabitsky 2. Ok, on est pas mal. Bon, je crois qu'on a tout fait en haut, on va aller en bas. Putain, la tension du jeu, les creuses, c'est horrible. Hein. T'as l'impression que ça va te sauter dessus à tout moment. Y a plus de lumière en bas là. C'est quoi ce délire? Oh Kiki, merci pour les beats, merci beaucoup. Attends, je te mets les petites trompettes quand même. Merci Kiki. C'est gentil. Alors, dans la salle de bain, il m'a semblé en avoir vu un. Oui. Là. Fish ski 0. Fish ski, il est où? Il est là, 0. J'aime bien ce genre d'énigme, c'est simple. Oh la vache! À se calmer, les gars. Là. Klunski, c'est le 5, les crozes. Klunski, c'est le 5. Il est là, Ronflex? Oh, il est là. Ok, il a pas bougé. En vrai, lui, tant qu'il est là, je me sens en sécurité. À tout moment, il va m'aider, tu vois, il va mordre l'esprit. Et il va m'aider à survivre. Enfin, j'espère. Là, il y en a encore un. C'est quoi? Tediski, c'est le 7. Tediski 7. Est-ce qu'on en a loupé? Alors, moi, il m'en reste un, deux. Il y en a... Il m'en manque deux, les crozes. Il m'en manque deux.
Après, on peut tenter de trouver les codes avec ce qu'on a. Hein. Il y a moyen. Hein. Je pense qu'on peut y arriver. Hein. Oh, le champion. Oh, le champion. Bella. On a réussi. Let's go. Appel de Bella. Babe, is Kaylee home? Have you fixed your cam yet? I was thinking we could have a little, you know, hour time while she's away. Oh, hey, Bella. Yeah. Kaylee's with her parents tonight. What's up? Seriously? You sound a bit off, babe. Is everything okay? I was really looking forward to seeing you. Yeah. Just a bit tired. You know, it's been a hectic day. Tired, huh? You sure? You sound like something's up. I was really hoping to come over. What's the deal? Just need a bit of downtime. Mrs. Susan is missing. Mrs. Susan is missing? You're being a bit vague, babe. I was really hoping to spend some alone time with you. What's the real story? Look, it's just not a good night, and I need to take it easy. Can we catch up some other time? Sure, but you're not fooling me. Why are you being so distant? We had plans, and now you're backing out? Bill, it's not the right time. I promise, we'll make up for it. I need to go. I catch up later. Kaylee won't be thrilled about this. Passer d'une caméra à l'autre à l'aide des boutons précédents et suivants. Utiliser la vision nocturne. Oh, le chien. Ronflex! Il est où, Ronflex? Elle est juste derrière moi. Elle est juste derrière moi. Il est où, Ronflex? Ah, il est là! Ok, il est dans la pièce... c'est quoi, ça? C'est une buanderie? Ok, Ronflex est dans la buanderie. Faut aller voir Ronflex. Par contre, l'autre, elle est... Putain, elle a disparu. Elle est plus là. Elle était derrière moi, elle y est plus. Ouais, la buanderie, ouais. On va aller à la buanderie. Ok, putain, génial. On a un système de caméra dans le jeu. Ok. Et ça, c'est Giggle. Je veux m'enfuir. Ça marche pas ? Je veux mourir. Faites-moi sortir de là. Non, non plus. Bon. Ok. Bah écoutez. Allons à la buanderie, mesdames et messieurs. Oh putain, elle est là. Mais c'est quoi, putain? Mais on dirait une femme, une vieille femme. Ok, les crosses de la buanderie, c'est par où? On va tenter par là. C'est là, c'est là. Ok, il est là. Ça va, Ronflex? Qu'est-ce qu'il y a? Oula! Vous pouvez utiliser un navigateur internet sur l'ordinateur pour rechercher les indices textuels, ce que vous avez trouvé. Crawler. Crawler, crawler, crawler. Alors, du coup, est-ce que je dois taper crawler dans la barre de recherche dans le PC? C'est pas une mauvaise idée, ça, non? Sur Giggle, ouais. On va essayer de taper crawler sur Giggle. Crawler. Alors. Est-ce que ça a marché? Oui! Yes! Alors. En souvenir de Mademoiselle Suzanne Crawler, une perte tragique suscite la réflexion d'une communauté sur la santé mentale. Donc en fait, Mademoiselle Suzanne Crawler, les crosses, c'est sur elle qu'on enquête. Je crois que c'était une femme de ménage qui... Bah, du coup, qui bossait dans cette maison. Elle a disparu depuis une semaine. Et nous, on a un enquêteur qui enquêtons sur sa disparition. Donc là, on aura peut-être plus de... d'infos. Une perte tragique. Le 15 juillet 2020, la petite ville de Greenfield en Pennsylvanie a été secouée par une tragédie qui a laissé ses habitants en état de choc et en deuil. Mademoiselle Suzanne Crawler, âgée de 80 ans, donc vieille femme quand même, hein. Membre bien-aimé de la communauté, s'est suicidée en se pendant à un arbre dans son jardin.
La nouvelle de son décès s'est rapidement répandue dans toute la ville. Et beaucoup ont du mal à accepter la perte d'un membre aussi cher de leur communauté. Mademoiselle Crawler était connue pour sa gentillesse et sa générosité envers les autres. Elle était bénévole au... Elle était bénévole au centre local pour personnes âgées où elle passait d'innombrables heures à tricoter des couvertures et des écharpes. Madame Crawler a lutté contre la dépression et l'anxiété pendant une grande partie de sa vie. Donc ok, dépressive, anxieuse, et elle s'est suicidée. Dans les jours qui ont suivi sa mort, la ville s'est réunie pour honorer la mémoire de Mademoiselle Crawler. Un service commémoratif a été organisé à l'église locale, où des dizaines de personnes se sont rassemblées pour rendre hommage... Ok, donc elle avait des problèmes mentaux, elle s'est suicidée dans son jardin, voilà. Ok, ok, ok. Alors pourquoi le fantôme nous fait passer ce message? Pourquoi Crawler du coup? Est-ce que c'est elle qui nous hante? Caméra. On va checker un peu. Vision nocturne, nécrose. On check. Lumière qui bug dans l'escalier. Ronflex, il a disparu, il est plus là. Hein. Non, ok, pas de Ronflex, mais on a une lumière qui bug dans l'escalier. Let's go. Ah, on peut bouger la caméra, putain. Je savais pas. Excellent. Alors, je quitte cet endroit. Je viens de voir Greenfield, cette ville existe réellement, ça donne des frissons. Ah, c'est vrai? Il est pas retourné à son panier, non. J'entends des bruits bizarres, les creuses. Ça me plaît pas. C'est quoi ce bruit de... Oh là là, il y a un truc là-dedans. De maintenant, le microphone détectera tous les bruits que vous... Elle m'entend? Attendez, je crois qu'elle m'entend maintenant. Dès que je parle, elle m'entend. Non mais c'est un cauchemar là. Bella. Colton, it's me again. Listen, just stay quiet for a sec, okay? I need to tell you something. So, I did some digging online, and guess what? Mrs. Suzanne died some time ago. 3 years to be exact. Isn't this crazy? I mean, why didn't we hear about it right when it happened? Why did you see her this whole fucking time? Something is not right here. It's like someone wanted to sweep it under the rug or something. This is all so bizarre. I need some time to process this, and you should probably see a shrink or something. Unless this is some damn ghost business. I'm done. Don't try to reach out to me. I'm dead serious.
Alors ouais, je vais l'enculer. Merde. Putain, je peux pas parler fort. Elle est là. Elle est là. Elle est dans le salon. Oh putain. Comment on va faire pour l'éviter? Là, le chien. On aille en haut. Mais grosse, je peux pas parler. Si je parle, elle va me déglinguer sa race. Je peux pas. Là. Là, là, là. Attendez. C'est vrai que je vous ai pas dit. Attendez, je peux parler là? On peut lui dire des choses. Où est-ce qu'on voit ça? Normalement, on peut lui dire... reconnaissance vocale, voilà. On peut lui dire des trucs pour qu'elle nous réponde. Are you friendly? C'est bien ça. Attendez, chut. On va essayer de parler. Are you friendly? Elle m'a répondu, bien sûr. Attendez. C'est où que j'ai vu ça? Là. Show yourself. Si je dis show yourself, elle va me sauter à la gueule, non? What do you want? What do you want? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est bien. What do you want? Son âme brûlera dans le feu de l'enfer. Elle est là, elle est là, elle est là. Go away. Elle m'a dit non. Elle veut pas partir. Putain, elle est là. Dégage, saleté. Go away. C'est vrai, Gwen? C'est vrai que ça marche bien. Elle est droguée, la grand-mère, ou quoi? Attendez, on va checker les caméras. Ah, elle bouge pas, elle reste là. Hein. Elle reste là. Hein. Je voudrais que j'essaie de passer par derrière, mais elle va me niquer, non? Ok. Mais je vais me faire baiser là, les croisins. Kiki, merci beaucoup. Merci pour les 1000 bits. Merci, c'est gentil, merci. Merci, Kiki. Bon, écoutez, on y va. Go away. Oh! Ça a marché! Elle est partie. Cet appareil où nuit après nuit, avant de sombrer dans le sommeil, nos regards s'entrecroisaient contre l'océan. Il faut aller dans la chambre. Non! Oh non, elle m'a niqué! Ah, je crois qu'il... Ah, la vache. Les gros, je crois qu'il faut vraiment pas parler. Si je parle trop, je me fais atomiser. Ok, ça parlait de la chambre à coucher. Donc faut aller dans la chambre. Oh, c'est reparti. Ok. Chut. Vous voyez dans la chambre. C'est à l'étage. Mmh.
aller dans la chambre. Là. On vient de ramasser un bout de photo, les Crozes. Je sais pas ce que c'est. Faut peut-être aller le mettre près du PC. J'avais vu... Ouais, voilà, c'est ça. J'avais vu ça près du PC. Ok. Waouh ! Merde ! Ah, elle me grille direct. Ne me dérangez pas. Ok. Ok. Ça forme un visage. On doit rassembler des morceaux de photos qui affichent un visage. Ok. Du coup, c'est peut-être le visage du meurtrier de Suzanne. Les Crozes, vous pensez quoi du jeu pour le moment? Est-ce que vous kiffez ou pas? Ça vous plaît? J'aimerais bien avoir votre avis là. Ok. Ah, il y a encore le chien qui... Là. Au berceau. Dans la salle du berceau. Dans la salle du berceau, les Crozes. Let's go. On y va. Bah... Oui, très cool, j'adore, c'est sympa. Horrible mais génial. J'aime beaucoup l'ambiance. Sur le mur, il y avait écrit à la fin Bashka. Ah, tu crois que si je tape Bashka sur Google, ça va me mettre un... Merci Siraya pour les beats, merci beaucoup. Ok, on va tester. Bashka sur Google. T'écris Bashka. Non. Ça marche pas. Ça marche pas, les Crozes. Je crois que je peux parler normal. Non, je crois pas. Ça marche pas. Je le répète une dernière fois, silence. Ne parlez pas trop fort. J'ai l'impression que mon micro, il va... Je peux pas régler le micro. Le micro, il va fort. Putain. Oh, ah ouais, putain. Bien joué. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Putain. Hey, on va arrêter de jouer avec elle. On arrête de jouer avec elle, c'est bon. On lui parle plus, on lui cause plus. On trouve les bouts de photos et... C'est bon, j'arrête de lui parler. J'arrête, je me fais niquer. On parle plus. Ok. Direction du coup, la chambre du bébé. La chambre du bébé, les Crozes. Là. Cet endroit où à chaque fois j'aurais dû t'aider à nettoyer nos vêtements communs à la crasse quotidienne, si seulement je pouvais remonter le temps. C'est la pièce... La buanderie. Dans cet endroit où j'aurais dû t'aider à nettoyer nos vêtements communs. La buanderie. Merci Ronflex. Merci Ronflex, tu gères. Non! Mais non, j'ai pas parlé!
Là, mais on se fait abattre à chaque bruit de bouche, c'est une dinguerie. Pourquoi il fait tout noir là? Ok. Juste pour le plaisir, désolé par avance pour la crise cardiaque TB Angel. Je te déteste, Romy. Je te déteste. On va mettre le nouveau bout de photo. Merci, merci beaucoup, Romy, pour la donation. Merci. Ah, attends. Photo. Le don, merci Romien, merci. Vous voulez ma mort, hein? Elle est là. Le chien. On flex. Dans la chambre, dans la chambre. Il est dans la chambre. Dans la chambre. Go. Go away. Et gros, c'est... Elle parle de quelle pièce, là? Elle parle de quelle pièce? C'est là où j'ai passé trop de temps à faire de l'art avec du travail. La cuisine? L'art avec du travail? La cuisine? Ça ressemblait à quelque chose. Oh, c'est un flic. C'est un flic. Regardez la tenue. C'est un flic, le gars. Un flic. Ok. C'est un putain de flic. J'arrive. Pas mal le jeu. Le jeu est vraiment cool, les crozins.
jour je n'ai jamais vraiment existé où nous aurions pu forger d'innombrables souvenirs culinaires. La cuisine. Culinaire. Les crozes, culinaire, c'est cuisine ça. Let's go. C'est cuisine. 100% cuisine. Là. Yes, c'est le dernier. C'est le dernier. On a tout. On a le dernier bout de photo. Je peux pas parler fort, les crosses, désolé. Si je parle trop fort, je sais pas si vous m'entendez dans le live. Parce que là, je parle vraiment doucement. Mais je peux pas parler plus fort. Sinon, elle me casse la gueule. Oh putain, sa race! Non! Les crozes, avec vos dons, je crie, du coup, le fantôme est attiré. Arrêtez. Ok, on a le dernier bout de photo. Ah non, il en reste d'autres. Ah non, c'est pas le dernier, je crois. Putain, fais chier. Merde. C'est quoi ça? Ça va où, ça? Flex. La chambre. Chambre à coucher. Go away. Salle de bain. De bain. Salle de bain, les crozes. Ça sera s'arrêter. Mais casse-toi, on t'a dit. Elle m'a dit stop. Tu vois, elle a dit stop les dons. Elle vient de dire stop, donc arrêtez. Merci, hein, merci beaucoup. Mais maintenant, stop, comme a dit le fantôme. Stop. Alors, il y a quoi ici? Là. Yes. On est bon, là. Très très bon. Il en reste un, je crois. Il en reste un, les crozes. Il en reste plus qu'un.
Bah c'est derrière moi. C'est juste derrière moi. Dans ce lieu où tout s'est arrêté et où j'erre sans cesse à ta recherche, mon amour. Dans ce lieu où tout s'est arrêté. Vous avez une idée ou pas, les creuses? Où j'erre sans cesse à ta recherche, mon amour. Alors là, la salle du berceau. Ah non, c'est ça, c'est le salon. C'est le salon. Ok, go. Du sang. Oula, sacrée traînée de sang là. What? Ah, c'est fermé maintenant. Ah, c'était la pièce où il y avait rien dedans. Il y a plein de sang là. C'est ici ou pas du coup? Ah, je sais pas si c'est là les creuses. Merde! S'est remis à ronfler ce gros porc. Oh, j'en reviens pas. Bon, elle est où la dernière photo? C'est où? Putain. La dernière photo, les roses. J'ai regardé sur la table de la salle à manger. Là? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de photo. Merde! C'était pas là, du coup? Je peux pas sortir, Crow. Je peux essayer, mais attends. Non, je peux pas. Ce lieu où tout s'est arrêté et où j'erre sans cesse à ta recherche, mon amour. La traînée de sang, elle mène dans la petite pièce qui est maintenant fermée. Ah. C'est peut-être cette pièce-là. C'est peut-être la pièce où elle est, du coup. Ok, soit la pièce où elle est, soit le couloir qui est là. Ok, go. Elle parle peut-être de son bébé. Elle parle peut-être de son bébé qu'elle a pas réussi à avoir, je sais pas. Donc là, non. Thank you.
rentre dans ma chambre galopin. Elle est où cette putain de photo ? Rose, elle est où la photo ? Spoilez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi. Où elle se trouve ? Incroyable ça. L'escalier ? Sur les tableaux dans l'escalier ? Non. Ouais. Ouais, Mickey, je veux bien de l'aide. Ah ! Ta race, putain ! Ah, j'en peux plus, elle me tue ! Elle me tue ! Aide sur la photo, les roses. Je répète, aide sur la dernière photo, s'il vous plaît. Dans la pièce vide où il y avait les cartons. Mais elle est fermée. Je peux pas l'ouvrir, la pièce où il y avait les cartons. Tu parles bien de celle-là, non? Putain, fais chier, on est bloqué sur la dernière photo, quoi. Normalement, si elle s'ouvre. Ah bon? Quel enfer! Je te baise! Let's go. Alors. Toi, tu restes là. Holton. Holton. C'est le nom du gars. Est-ce qu'il faut taper Holton dans Google? C'est ça, putain. Holton. Holton. Yes! La bravoure d'un shérif héroïque, 40 ans après le sauvetage aux assiettes. Écro, je peux pas lire à haute voix, sinon elle me déglingue. Je vous laisse lire en même temps que moi. Donc la bravoure d'un shérif héroïque. Ok, en gros, il a essayé de sauver une famille des flammes.
mais il a pas réussi. Et du coup, ça fait de lui un héros parce que bah il a tout essayé, il a mis une combinaison, il est allé dans les flammes et tout. L'héroïsme dont il a fait preuve cette nuit d'automne est devenu un symbole de courage. Ok, donc en gros, Holton, ça serait un héros. Holton, ça serait un héros. Ok. On a sonné. Les crocs, on a sonné. Y'a quelqu'un à l'entrée. Y'a quelqu'un à l'entrée, putain. La pizza. Qui a commandé pizza dans le chat? Qui a commandé pizza? J'ai faim. J'arrive. Well, I'll be done. What's going on here? I'm Detective White. Just conducting an investigation. Detective, you say? What brings you to this house, making all this ruckus? Folks around here can't get a moment's peace. My apologies, Sheriff. I'm here on behalf of the new residents, who requested an investigation into the disappearance of Mrs. Susan, the former occupant of this house. Mrs. Susan? Bless her soul. She passed away 3 years ago. Why would anyone be poking around her old place now? Well, Sheriff, sometimes these cases have a way of lingering. The new residents are concerned, and they just want some closure. Closure, huh? Well, I reckon that's understandable. But what's with all the noise? Ah, yes, I'm afraid my investigation can get a bit noisy at times. Just trying to leave no stone unturned, you know? I suppose I understand. But if you don't mind me asking, why now? Why all this fuss over Mrs. Susan after all these years? It's my duty to follow up on any leads, Sheriff. Right now, my leads point me to this house. Well, all right then. I'll leave you to it, Detective. But try to keep it down, will you? Don't need the whole town up in arms over some ghost story. C'était un voisin. Par contre, le visage était flouté. Je sais pas pourquoi. Bref. Bon, on continue. J'ai dit, on continue notre enquête. Oh non. Utilisez le zoom pour sélectionner et vous déplacer dans la molette de la souris. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, quoi? Non, me dis pas qu'il va falloir que je trouve tous les fusibles. Arrête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je vais devoir trouver 14 fusibles. Foutez de ma gueule. Quoi? Pardon? Non. Non, les gars. Vraiment? Il n'y a plus de lumière, là. Tout a pété. Baron Flex. Ok, ah, il y en a un là. Ok, ouais, putain, 14 fusibles. Ah, attends, comment ça marche? On va tester. Comment ça marche ce truc? Ok, on a un fusil blanc. Donc le blanc il vient ici. C'est ça? Ok, là. Et je dois tourner comme ça. Oh, quel enfer. Waouh, ok. Ah oui. Non mais ça n'arrête jamais. C'est vous l'électricien? Arrêtez les dons. Bordel! C'est vous l'électricien. Merci, merci beaucoup. Alors regardez, quand on a réussi à mettre un fusible, il est vert là. Donc c'est dire que c'est bon. Ok? Et à mon avis, si je l'enlève, voilà, c'est plus vert. Ok.
Ok, ok, encore 13. C'est parti. Montrez-vous. Montrez-vous. Allons chercher les fusibles. On va commencer par en bas. Les creuses, on part en fouille. Là. Encore 12. À mon avis, il doit y en avoir un dans chaque pièce. Ça me paraît assez logique. Ça va être long, non? Faites quelque chose. Putain, comment on dit en anglais ça? Show yourself. Ok, show yourself. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Merci beaucoup, Romy. Ça n'a pas marché. Show yourself. Show yourself. Putain, mon accent, il est pourri ou quoi? Show yourself. Les creuses, je crois que mon accent il est éclaté. Merci Romy pour le don. Merci à tous, hein. Merci les creuses. Bon, allez, on va chercher les fusibles. Et crac. Faut que je parle moins fort. Bah j'essaie les creuses, j'essaie. Allez go. Je vais les trouver en 2 secondes les fusibles là. C'est le karma à la porte. Ok, on en a combien là? Il nous en reste 10, non? Merci Ralen, merci beaucoup. Là. Ok. On est bon. On est en train de tout choper. Merci Siria pour les bits. Merci beaucoup. Merci les creuses. Je me concentre. Hein. Je me concentre. Là. Bon, ça va aller vite en fait, je crois. Ça va aller vite. Non, putain, ta race! Putain, elle m'a fait peur là. Oh, je m'attendais pas. Oui, mais toi, ferme ta gueule, toi. C'est toi qui vas fermer ta gueule. Elle m'a fait peur là. On a tout fouillé en haut. Elle est là, hein.
va voir combien on en a. Combien on en a, les crouses? Oh, merde. Attendez, c'est parti. On a peut-être tout. Alors. Le noir. Orange. C'est jaune. Merde. Quelle lune. Mais... lui, non. Pourquoi il devient pas vert, lui? On le prendra plus tard. Ok, là, c'est bon. Le rouge. Et là. Ok. Violet. Là. Ou là. Ok, c'est ça. Coucou Lailos, coucou à ceux qui arrivent. À quand le VIP? Comment ça, quand le VIP? Le bleu. On les a pas tous. On les a pas tous, les grosses putains. Il va nous en manquer. Il va nous en manquer, je crois. Ouais, il va nous en manquer. 1, 2, 3, 4. Il nous en manque 4. Putain, il nous en manque 4. Nous en manque 4, bordel. Non, 2. Non, 3. Non, 2, 2. Il nous en manque 2. Il nous en manque 2. Voilà. Ok. Il nous en manque 2, les crozes. Ça va. Allez, 2 fusibles. On a une demi-heure pour trouver 2 fusibles. Vous y croyez ou pas? Deux petits fusibles à la con. Putain. Ils doivent être bien planqués. Hein. Trois. Non, non, il nous en manque que 2. Bon, on parle pas trop fort. Hein. C'est le temps d'aller à Bricomarché et de les ramener impeccables. Ah, attends. Oh, c'est quoi ça? On sait rien. Je crois que c'était une clé. La cuisine, je suis sûr d'en avoir loupé un dans la cuisine. L'outil ronfle encore, quoi. En bas. Il y a rien près du chien. Il y a rien près du chien. J'ai fait toutes les pièces. Qui a dit ça? C'est rien. Je crois que j'ai tout fait.
Je sens qu'on va mettre une heure à trouver deux fusibles. Je sens. Le sang. Il y en a un vert, quoi ? Où ? Attendez, je... Là. Go away. Ça a marché. Je ne suis pas votre ennemi. Meuf, tu m'as tué. Tu m'as tué 150 fois depuis 2 heures. Mais il est où le dernier ? Salut Demon Slayer, ça va ? À tous. C'est bon, on a tous les crocs, on peut se casser. Let's go. Quittons cet enfer. Putain, bien vu les crocs, bien vu, vous êtes trop chaud. Vous êtes des monstres. Non. Oh putain, j'ai failli quitter le jeu. Oh, la frayeur. Qui est pas vert, bref, je sais pas. Ok. On va retourner à la caméra. Oh, on a réussi à remettre le courant, ça c'est cool. Mais alors du coup... Hein ? L'écran, le PC fonctionne plus. Bah alors ? Merci Syria pour les 100 bits, merci beaucoup. Attends. Si Skills recommence tout en plus, ouais, faut pas faire les cons. Les crocs, attendez là. Le PC il va plus? Tu peux sortir, je pense. Sortir de la maison? Bah non, je peux pas. Je dois faire quoi? Attends, le PC va plus. Show yourself. J'ai fini le jeu? Ça se finit comme ça? Au pire, chante. Attends, réfléchissons les crocs. J'ai remis l'électricité. Déjà, ce que je trouve bizarre... Utilisons pour ces... Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il y en a un qui va pas là. Pourquoi il se met pas vert? Tu vois ce que je veux dire? Alors attends, je vais réfléchir. Il y a une vraie fin? Ok. Allô, ah! Elle est encore là. Elle est encore là. Go away.
Bon. Attendez, qu'est-ce que je dois faire là? Pourquoi le PC s'allume plus? Attends, on remet le courant et le PC s'allume plus. J'avais pas capté que j'étais plus abonné. Visage souriant embarrassé. Merci, merci beaucoup Démon, merci pour ton mois d'abonnement. C'est gentil. Non mais attendez les crocs, c'est quoi cette dinguerie là? Pourquoi je remets le courant et le PC il marche plus? Normal ça? Y a pas de tour, je peux pas l'allumer. Le téléphone. On peut essayer d'utiliser le téléphone. Je comprends pas pourquoi le PC il s'est éteint. Hello, this is an automated message from Paul Scrainer Bank. Ah non, si c'est un bug du jeu, je pète un câble. Les Crows, me dites pas que c'est un bug. Please be advised that it is imperative to settle this outstanding payment as soon as possible to avoid any further complications. Your prompt attention to this matter is greatly appreciated. Your mortgage payment. Please do not hesitate to contact our. Thank you for your cooperation. He wasn't lying about their financial situation. Me dites pas que c'est un bug. Oh, aidez-moi, pour ceux qui connaissent le jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire après avoir remis le courant? Putain, j'avais pas vu, les chauffages ils sont en hauteur, comme ça. Original. Mais attendez les crocs, non. Il s'allume pas, cet enculé. Je dois faire quoi? Aidez-moi. Je dois pas éteindre toutes les lumières quand même. Ou allumer toutes les lumières. Ou peut-être que... Wyatt, where are you? Okay, this fucking time, I won't let anyone escape. What? Hein? Attends, y'a quelqu'un dans la maison? Ah, je peux reparler normalement. Oh! Salope! Attendez, j'ai suivi tes moindres faits et gestes pendant... Attends, c'est le tueur! Ah, je peux reparler normalement, ça fait plaisir! Il est où? Putain, il est armé. Il est là. Ah, salaud! Attendez, y'a un gunfight! Je crois qu'il faut tuer quelqu'un, là. Oh merde. Mais aide-moi. You reckon I wouldn't figure it out? Putain la vache, c'est compliqué. Fumier! Putain, mais il faut combien de balles pour mourir lui? Il est invincible ou quoi? Oh putain, il arrive. Oh, on l'a eu! Salaud! J'ai tué ton tueur, Suzanne. C'est bon, je l'ai eu. Eh bah putain! Si, c'est le voisin, je crois. C'est le voisin qui était. Oh! C'est le mec de la photo. Mais oui, c'est. Ashton? Comment il s'appelle? C'est le flic? Alors, dans une révélation stupéfiante, l'inspecteur Wyatt a dévoilé la sombre vérité qui se cache derrière la mort tragique de Miss Suzanne et son mari. Le coupable n'est autre que le vénéré shérif Robert Holton. Un homme d'autorité et de respect au sein de la communauté, la jalousie l'avait rongé lorsque Miss Suzanne avait faisait un autre homme. Ah, le bâtard!
C'était le héros. En manipulant les informations locales, le shérif Holton s'est fait passer pour un héros, dissimulant ainsi ses propres actes sinistres. Il a orchestré l'incendie qui a englouti la maison de Miss Suzanne pendant que sa famille était à table, mettant impitoyablement fin à leur jour. En fait, c'est lui qui a mis le feu. Il s'est fait passer pour un héros dans la presse locale, ce bâtard. Il a concocté un faux récit d'héroïsme pour brouiller les pistes. L'enfoiré. Miss Suzanne, loin de s'être suicidée, comme l'a laissé entendre les rapports inventés de toutes pièces, s'est avérée être enceinte lorsque le médecin légiste a examiné son corps. Elle est enceinte. Waouh. Ok. Eh ben, on a bien fait de le buter. Face à cette noirceur, l'inspecteur Wyatt s'est imposé comme un phare de la vérité de la justice. Avec une détermination inébranlable, il a rassemblé les preuves, démasqué les actes ignobles du shérif Holton et l'a traduit en justice. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, Wyatt s'est tenu debout au milieu des larmes, un héros au milieu de la tragédie. Malgré la douleur et le chagrin, sa détermination est restée intacte. Témoin de son engagement à la vérité. Ouais, peut-être qu'on avait déjà le visage de la photo, du coup le visage était flouté dans la vraie vie, je sais pas. Eh ben écoutez les crosses, on a terminé le jeu. Est-ce que vous avez kiffé ou pas? Ça vous a plu? Eh ben voilà, bon, on aura mis moins de 2 heures. Je suis assez étonné, on aura mis 1 heure. Ouais, allez, 1h45 quoi. Ah, je suis content. Attends, est-ce qu'on va la réveiller? Oh! Je quitte ce jeu, c'est bon. Allez hop.